Bonsoir. Dernier live de ce soir. Connectez-vous. Bien installé. Bien installé sur mon lit. Désolé, hein, je m'excuse. Bien installé sur mon lit. Il est de mon devoir et de mon ressort, de vous faire un dernier résumé de la journée, de mon combat du jour. D'accord, mes cœurs. Donc, avant de débuter le live, nous allons mettre une musique le temps que vous arrivez. Capoter le live et bipé Mounando Kinansi. Demain, c'est un autre jour. Christian de Monaco, c'est quoi? C'est quoi, Christian? Je vous ai dit qu'il est de mon devoir. Il est de mon devoir de m'entretenir avec vous et vous passer le journal du soir. La conclusion de cette journée. Tapotez le live, je vous donne le compte rendu. On n'oublie pas qu'il y avait une confrontation aujourd'hui, hein. Je vais vous parler un peu de tout, sans toutefois entrer dans les détails de cette confrontation. Ah là là. Là, je suis en train de me boire un bon café parce que je vais travailler toute la nuit. Mais je vais dormir, hein. Je vais me réveiller vers 3 heures là. Je vais bosser. J'ai du travail à faire avancer. Donc, faut que je dorme. Je suis fatigué un peu. Un peu. Pas vraiment fatigué, mais un peu. Faut que je dorme. J'ai pas fait mon somme cet après-midi. Donc, il faut que je. Ma sieste. Je n'ai pas fait ma sieste cet après-midi. Donc, il faut que je la fasse. Voilà. Je vais arrêter la musique. Sans toutefois tarder, parce que je n'aimerais pas vous retenir longtemps. Bonsoir à tout le monde. Celle qu'on ne. Bonsoir, l'Inès. L'entreprise qu'on ne. On ne. On ne présente plus. www.glutacosmétique.com. Je vous ai dit, ayez la fibre pour des belles choses, pour des bonnes choses. Ayez de la fibre pour des choses évolutives et non pour des négations qui ne rapportent aucune valeur. Par la suite, cet après-midi, ce soir, nous avons suivi la Glutabos. Je vous ai dit, il était cassé. Notre prochain objectif, c'est les Champs-Élysées. Vous croyez ou pas? Prochain objectif, les Champs-Élysées. Quand je vois les gens qui viennent me parler, l'abbé Samé Boza, viens nous trouver en Bénin. L'Élysée me suit depuis le Maroc. Je vous explique l'autre là comment. J'ai dit que l'Élysée me suit depuis le Maroc. Biden me suit depuis les États-Unis. Je suis au Maroc. Quand je prends un sujet, même quand il n'y a pas du monde, ils sont là. Ils savent tout ce que je dis à la lettre. Vous avez vu, non? Vous avez écouté la Glutabos ce soir qui vous a fait comprendre que elle a reçu sa notification.
dont ma tante Maliba Perpétue et moi, nous sommes écoutés par des personnalités et non des suiveurs. Dans tes cas, ses prochains objectifs, Champs-Élysées. Nous allons montrer aux Français que c'est votre pays, mais qu'il y a des Africaines qui ont de l'intellect et qui peuvent aussi apporter sur une table et débattre. Donc nous sommes très heureux de savoir que notre glutathion nationale, du 237 bien sûr, est invitée au plus haut sommet de l'État français. C'est de ça qu'il est question. Sans toutefois faire polémique, nous invitons également tous ces autres entrepreneurs d'être des professionnels dans ce qu'ils font. Ça ne sert à rien de jalouser. Parce que ce que nous vous voyons faire, l'acharnement avec lequel vous vous dégainez sur l'entreprise Glutaline, les gens voient. Les personnalités nous suivent, ils voient. Et le meilleur, on dit qu'on ne lance généralement que des pierres sur un arbre qui produit des fruits. Si Glutaline ne produisait pas des fruits, si ma tante et moi, nous ne produisons pas des fruits, vous ne serez jamais en train de lancer des pierres sur nous. Effectivement, c'est parce que nous produisons des fruits que vous lancez des pierres. Mais vous allez vous arrêter de lancer des pierres. Parce qu'à un moment donné, l'arbre ne va pas cesser d'arrêter de produire des fruits. Prochain objectif, l'Élysée. Donc vous les blogueurs qui vous agitez encore là, il est temps pour vous de recadrer votre blog. Il est temps pour vous d'agencer ce que vous avez détruit de votre blog depuis des années. Vous les entrepreneurs qui poignardez les autres, ça ne sert à rien. Quand il y a compétition, il y a marché. Travaillez, produisez de l'excellence et non de la médiocrité. TKC, le gluten national, nos prochains objectifs, l'Élysée. Après l'Élysée, prochain objectif, la première puissance. Nous irons là-bas. Je dis bien, prochain objectif, après l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qu'on vise actuellement. Après l'Élysée, on vise Biden. J'ai dit qu'après l'Élysée, c'est Biden qu'on vise. Parce qu'on est déjà fatigué de négocier avec la sous-race. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, 3W Gluta Cosmétique est une marque française qui a prouvé son efficacité, qui a prouvé son expérience en utilisant, en consommant ses compléments alimentaires ainsi que ses cosmétiques, surtout ses compléments alimentaires, qui vous prouvent son efficacité en un mois d'utilisation, dont le glutathion national et sa vitamine C. Alors, j'informe à toutes ces personnes qui aimeraient bien garantir une excellente santé de l'intérieur comme de l'extérieur, en se débarrassant de l'hyperpigmentation à travers la mésothérapie, du stress oxydatif, vous pouvez faire recours au glutathion et de sa vitamine C, liposomale, en gélules et en comprimé. Les deux sont excellents. Merci. Vous avez remarqué, parce que les gens pleurent, j'ai remarqué que ça pleure, Nancy, et que cela ne devrait normalement pas pleurer. Hein? Ce n'est pas pour me prendre la tête. J'ai dit que c'est le résumé de. C'est le résumé de l'actualité de la journée que je dois faire. Vous êtes sans ignorer que depuis un bon nombre de temps, je vais commander. Vas-y commander. Tu as raté la promotion, Beauté Carole. Il y avait la promotion qui avait été mise de 19 jusqu'au 21. Là, je t'assure, tu pouvais aller à fond la caisse. Et je te dis, en consommant les produits de l'entreprise Glutaline, peu importe les cosmétiques ou les compléments alimentaires, tu viendras me dire merci, ma personne, d'avoir permis au travers de ton live que je sois notifié des bienfaits santé du glutathion et de la vitamine C. Tu me diras, ma personne, vas-y. Va à fond la caisse, ma personne, n'hésite surtout pas. Vous êtes sans ignorer que dans la TKC, il y a des personnes matures qui n'ont pas le temps à perdre pour faire les lives. Ils sont tellement occupés, ils ont des engagements professionnels. C'est comme une personne comme Christian de Monaco. Tu vas payer Christian de Monaco même 1 million. Il n'a pas d'intérêt à aller faire un live parce que pour lui, c'est une perte de temps. Quand il peut, il vient, il commente, il met ses trucs, il partage et puis il passe à autre chose. Donc dans la TKC, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement occupées.
Et comme moi, pour le moment, je suis encore dans l'oisiveté et que je cherche que le vent de la Méditerranée s'ouvre pour pouvoir marcher à sec, je trouve que j'ai suffisamment le temps pour surenchérir lorsque j'ai en face de moi des cervelles frelatées dont je dois surenchérir. Et quand ma tante est persécutée par certaines personnes, j'ai le droit et l'obligation de surenchérir. Est-ce que ça vous va? Donc, j'ai vu Nancy Quinto aujourd'hui qui est sortie me répondre. C'était le matin, Nancy, quand tu es sortie me répondre. Il était peut-être ici chez moi, 8 heures et quelques. Oh, sale pédé, nanani nanana, c'est monté, c'est descendu. C'est moi qui ai lancé la guerre. J'ai déclaré la guerre. Tu as embrassé la guerre. Mais comment tu commences à pleurer? C'est trop tôt, Nancy. Moi, je trouve, hein. Je trouve que c'est trop tôt pour commencer à pleurer. Parce que l'histoire retiendra, même quand tu vas ressortir pour venir me clasher, l'histoire retiendra que je t'ai fait pleurer en moins de 24 heures. Nancy, l'histoire retiendra que le neveu de Maléba, parce que tu as dit que tu veux que ma tante te clashe, tu as donc vu que tu n'as pas le niveau pour clasher avec Maléba, que même le neveu te dépasse à clasher. L'histoire retiendra qu'en moins de 24 heures, il t'a mis KO. Est-ce que tu comprends un peu? Comprendo? L'histoire retiendra, Nancy, que si tu veux vraiment te mesurer à ma tante, essaye d'abord de venir te mesurer à son célibataire, qui est Ngomaboa. En moins de 24 heures, tu as vu, entre 8 heures et 13 heures, je t'avais déjà mise KO. Entre 8 heures et 13 heures, tu étais KO. Tout le monde est assisté à tes pleurs pendant près d'1 heure de temps que tu pleurais. Je vais te remettre ça, sans toutefois faire la promotion de la page de cette personne qui a coupé, parce que j'estime que cette personne et moi, on n'a rien à se dire. Donc, je ne serai pas celui qui va faire la promotion de sa page. Mais je vais te mettre là où tu pleurais. Tu pleures jusqu'à tu appelles les consolateurs. Venez me consoler. C'est drôle, hein, Nancy? C'est très drôle. C'est ridicule, c'est minable même. Nancy, c'est minable. Je vais aller entrer dans ton live. Je vais couper la partie parce que on m'a envoyé là où ça a été coupé par une personne que je ne veux pas, qui m'intéresse pas trop. Pourquoi tu appelles Jésus, Nancy? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'elle appelle Jésus? Pourquoi tu m'as donné ce cœur-là, mon Dieu? Pourquoi tu m'as donné ce cœur-là? Nancy, calme-toi, Nancy, calme-toi. Oh, crotty crotte, arrête de distraire les gens qui pleurent. Tu sais pas, quand quelqu'un pleure, il faut le laisser exprimer ses émotions ou pas? Quand quelqu'un pleure, il faut lui laisser exprimer ses émotions. Maintenant, vous venez consoler Nancy, mais vous ne lui avez pas dit que c'est une menteuse. Comment est-ce qu'elle peut se permettre de mentir sur quelque chose qu'elle ne connaît ni le début ni la fin? Pourquoi est-ce qu'elle ment? Pourquoi est-ce qu'elle ment? Ndolo Moulema est juste venu. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle devrait pleurer. Je trouve que Ndolo Moulema est juste venu lui dire, ben, ma sœur, il faut arrêter de mentir. Il faut dire, si tu as les preuves de ce dont tu avances, annonce-les, mets-nous les preuves et c'est bon, quoi. Donc, il faut pas mentir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle pleure. Donc. Toi. Nancy, écoute-moi. Écoute-moi, Nancy. Écoute-moi, Nancy. Et en plus, je dirais, tu pourrais prendre ton temps d'arriver à la maison, Oh bien là poser, tu là, fais ce tu as dit direct que tu t'appelles ici. Nancy Maintenant, tu Beauté. es dans tous ces états. Ah ben, elle Comment n'est est-ce que pas je vais dans te tous ses dire? états, elle est dans les états du mensonge là. L'abbé, ça m'avait vous cogné les têtes. Et il a réussi. Elle dit, l'abbé, ça me veut vous cogner les têtes. Attendez un peu. Je gagnerais quoi en cognant la tête de Nancy et Ndolo Moulema? Vu que leur duel est très beau à voir, moi je trouve. Je trouve que le duel Nancy et Ndolo Moulema est très beau à voir. Ce que je dis, je suis sincère, je prends le Saint-Esprit à témoin. Vous comprenez, non? Et vous savez, quand je prends le Saint-Esprit à témoin, je mens pas. Leur duel est tellement beau à voir. Le duo actuel Nancy et Ndolo est tellement beau à voir. Mais tu ne peux pas être en symbiose avec quelqu'un. Et cette personne ne t'a pas dit quelque chose. Toi, tu te permets de venir dire à Mondio Vision pour cogner les têtes. J'estime quand même que si tu aurais aimé que Ndolo Moulema se clash, tu n'aurais pas procédé comme ça. En mentant en plus, il faut pas mentir. Il faut être naturel, Nancy.
Il faut être véridique. Parce que donc, ni toi, ni Dolo, vous n'avez pas été frité pour tomber dans son jeu. Donc, en fait, vous voyez la manipulation. Maintenant, il trouve que non, c'est moi. Mais quelqu'un en train de vous dire, même tout à l'heure, là, quand j'ai fait mon live, avant d'aller me faire un resto avec une collègue, vous avez vu, j'appelais Ndolo devant vous. Ndolo ne peut pas venir quand même vous mentir. Je ne peux pas quand même me mettre à vous mentir. Pour gagner quoi? Je gagnerai quoi en vous mentir? Rien du tout. Je n'aurais rien gagné à vous mentir. Elle peut vous dire que depuis un bon nombre de temps, elle et moi, la communication est quasi inexistante. Parce que j'ai estimé qu'elle a fait son choix et que je ne voudrais pas quand même associer encore une communication entre elle et moi comme c'était auparavant. Voilà pourquoi moi, le duo entre elle et sa sœur Nancy, j'apprécie. Et je dis encore ce qui est normal, que si je disais non à Ndolo, que je ne veux pas, Ndolo allait m'écouter, elle n'allait jamais s'aligner pour aller te voir ce jour-là dans ta voiture. Donc Ndolo n'est pas une mauvaise personne. Coucou Claude Akam. Ndolo n'est pas une mauvaise. Nancy, arrête d'écouter ce que Roti Crotte essaie de. Tu as dit que tu viens combattre, non? Tu vois que de 8 à 13 heures, tu as déjà pleuré, même pas 24 heures, tu pleures déjà. Est-ce qu'on pleure? Bleu, Tu ça as dit c'est que un tu clashes, non? cognage de tête. Je t'ai écouté, j'ai écouté Ndolo. Ça c'est un cognage de tête, ce qui n'a pas de nom. Vous ne pouvez pas dire que c'est un cognage de tête. Soyez logique. Dites à Nancy qu'elle est dyslexique. Apprenez à dire les vérités à quelqu'un. Ce n'est pas tuer la personne. Dire la vérité à quelqu'un ne voudrait pas dire que tu clashes la personne. Nancy est dyslexique. Elle a du mal à comprendre les choses terre à terre, comme toi et moi. Elle a du mal à comprendre les choses. Elle est dyslexique. Et quand tu as en face de toi une personne dyslexique qui a du mal à comprendre les choses posément, pourquoi vous venez l'encourager en lui disant non, c'est comme Essola de Mbopi. Vous avez vu quand j'ai essayé un peu de secouer Essola, comment est-ce qu'elle s'est rangée aujourd'hui? Donc, Nancy est dyslexique. Ma personne, mon quota d'amour, Claude Akam. Comment vous. Tu pleures. Mais regardez comment on vous a vu. On vous a vu ensemble. 2 jours là, c'était beau à voir. Mais bien sûr, et je suis sincère, Comment c'était on peut beau. tomber dans un cognage de tête comme ça là? C'est ça parce que les gens t'écoutent. Est-ce que les gens t'écoutent? Oui, les gens t'écoutent. Ben, Joie, je veux pas La t'entendre. caméra qui est dans ma voiture. Attends. Tu la moitié de ta vie. Tu Hein? l'as laissé dans la maison. Mais regarde-moi droit dans mes yeux. Vous savez, là, elle se moque de moi. Sérieux, je suis en train. Parce que moi, j'ai pas vu là où elle pleurait. Je vois qu'elle a. Christiane de Monaco, là, elle se moque de moi. J'augmente le volume de mon ou bien je diminue le volume. Soit je maintiens la cadence. Qu'est-ce que vous proposez? C'est à vous de proposer. J'augmente, je maintiens, ou bien je stabilise les choses. À vous de décider. Parce que là, elle ne pleure pas. Hein. Vous voyez une personne qui fait le make-up, les yeux sont make-upés, tout ça, ben, le noir qui est au niveau de ses yeux ne coule pas. Vous me dites qu'elle n'est pas en train de se moquer de moi. Ça, c'est pas des vrais pleurs, ça. J'augmente le volume. Voilà Beauté Carole qui dit feu. Si vous êtes 5 à me dire feu, alors là, j'augmente. J'augmente le volume. Il y a déjà une personne qui est d'accord. Est-ce que d'autres personnes sont d'accord? Pour que Nancy pleure jusqu'à ce que tout le make-up de Nancy coule, parce que là, moi, je vous dis que ça, c'est pas les pleurs. Là, Nancy ne pleure pas. Elle pleure pas encore. Elle pleure pas suffisamment comme il se doit. Je remarque ou quoi? Voilà. Il y a déjà 2 personnes. Florence demande d'augmenter. Mimosa demande d'augmenter. Bickel demande d'augmenter. Alors là, la grande majorité demande d'augmenter. Alors là, je vous promets dès demain d'augmenter le fire. Oui, court circuit, je remonte le volume. Ma sœur parlait.
j'étais Dieu. J'étais Dieu. J'ai demandé et j'ai mis même la main comme ça. J'ai dit que merde. Dans mon cœur, j'ai dit merde, Nancy. Nancy, tu vas bouffer le jardin, il n'y aurait personne. Tu as soutenu quelqu'un. J'ai dit, tout ce qui m'arrive, j'ai rêvé de ça. C'est ça. Être dans la même maison. Même mon mari. Mon mari. Bon. D'après les dires de Nancy, parce qu'il faut bien, l'écouter, hein. D'après les dires de Nancy, elle était dans sa voiture lorsqu'elle a eu son échange avec sa sœur, qui lui a fait comprendre un certain nombre de choses et qui est dans sa voiture, il y a la caméra et tout ça. Bon, caméra de la voiture, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire sortir cela? Caméra de la voiture, s'il te plaît, la caméra, est-ce que tu peux faire sortir cela? Caméra de la voiture, est-ce que tu peux faire sortir cela, s'il te plaît, caméra? Parce que si moi, tu viens chez moi et puis je te dis que chez moi, il y a des caméras, il y a des enregistrements, il y a des boxes d'enregistrement et autres, ce qui aimerait dire que lorsque je viens, je ne devrais pas pleurer. J'ouvre juste la caméra et je mets play et que le monde entier voit que je ne suis pas une menteuse. Vous voyez que c'est très simple, non? Parce que quand il dit Ndolo et toi, vous parlez. Hein? Il faut écouter le live du matin qu'elle a fait où on dit qu'elle m'a bien. Parce que moi, je n'écoute pas, moi, on me rapporte. Où on dit que Ndolo m'a bien lavé là-bas. Je dis Ndolo, Nancy m'a bien lavé là-bas. La preuve, si je cause avec Ndolo Moulema, j'aurais honte de dire aux gens que je cause avec Ndolo. De vous à moi. Si je cause avec Ndolo comme. C'était auparavant où elle et moi. Je vous assure qu'il n'y a pas une journée qui passait que je ne vais pas appeler Ndolo Moulema. Ma soeur, c'est comment? Tu as préparé quoi là-bas? Ndolo a même les vidéos de moi où je cuisine. Je l'excite que va cuisiner même pour mon beau. À l'époque encore. À l'époque encore, il y a ces vidéos. Et je dis que là où tu as frotté Ndolo, Nancy, c'est vouloir associer ton clash entre toi et moi et Ndolo pour que Ndolo te soutienne. Non, laisse-la en dehors de ton clash. Voilà pourquoi j'estime que tu ne devrais pas pleurer. Tu vois que je te parle là en te donnant des conseils parce que le combat est long. Tu entends, non, Nancy, toi et moi, le combat est long. J'estime que Nancy, si tu aimais véritablement Ndolo, qu'est-ce que tu allais faire? Que ce soit vrai ou faux, l'information que Ndolo t'a donnée, tu aurais estimé que pour protéger ma sœur, je vais mettre ma sœur à l'écart de mon problème avec l'abbé Samé. Je vais gérer l'abbé Samé une place sans mettre Ndolo dans ce genre de conflit. Que ce soit vrai ou faux, l'information qu'elle t'a donnée, moi je ne vais pas te dire que tu mens ou tu dis la vérité. Je retiens de toi qu'il t'a fait pleurer. Tu entends, non, Nancy? Je retiens de toi que je t'ai fait pleurer. Je ne vais pas te dire où c'est vrai ou c'est faux. Parce que je trouve que je n'ai pas à me justifier par rapport à ce que tu as avancé. L'histoire retiendra que je t'ai fait pleurer. Et je te dis encore, je prends le Saint-Esprit à témoin. Mon objectif n'est pas de te séparer de Ndolo. Mais tu vas seulement tôt ou tard te séparer d'elle parce que tu ne comprends pas les choses terre à terre. Tu ne comprends pas le terre à terre. Tu ne comprends pas les choses terre à terre. Parce qu'avant de faire un live comme ça, si tu estimais que Ndolo était ta personne, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles d'abord Ndolo, tu dis à Ndolo Moulema que ma personne, je vais faire un live tout à l'heure, voilà un certain nombre de faits que je vais dire. Est-ce que ça t'arrange? Et que la personne te donne son ok. Là, tu aurais son aval. Parce que je suis sûr que si tu aurais consulté Ndolo en lui disant que je vais mêler ton nom à mon clash avec Samé, elle t'aurait dit que épargne-moi parce que moi-même, je framponne sa tante. Je ne mets pas Joseph Samé quelque part. Je ne mets pas parce que je ne veux pas que mon nom figure dans sa bouche. Je ne veux pas. Le jour où je veux clasher Joseph, je vais prendre de ma caméra et dire que l'abbé Samé, viens ici, toi et moi, une place feu. Tu comprends un peu, Nancy? Est-ce que tu comprends? Donc, voilà déjà la première échec de ton combat avec moi. Et je t'ai dit que la guerre est longue. Nancy, tu as pleuré. Quand tu me framponnais à 8 heures, moi, il dormait. Je me suis réveillé à 9 heures, 10 heures. J'ai dit que, allez, fire!
On m'a annoncé qu'après mon live, tu as commencé à pleurer. C'était les pleurs de partout. Tu as fait deux lives, tu pleures jusqu'à les gens viennent te dire que ne pleure plus, ne pleure plus. Bon, va pleurer. Tu as même pleuré, quoi. Tu mets le maquillage sur les yeux. Je ne vois même pas le maquillage couler. Tu as mis l'eyeliner sur les yeux. L'eyeliner ne coule pas, me dit que tu pleures. Tu pleures quoi, Nancy? On ne t'a pas dit qu'on Gomaboa, c'est un conteneur des problèmes. Ouais, Seigneur. Mais qui vous envoie soi-même me chercher les problèmes? Je demande à mes adversaires, qui vous envoie souvent vous mesurer à moi? Qui vous donne le faux courage là? Mes adversaires, qui vous donne le faux courage de venir vous mesurer? Je suis une sapaque, je suis une racaille. Qu'est-ce que vous allez dire de moi que ça va me branler ou faire de moi que ça me branle? Quoi? Quelqu'un qui te dit que Kabri, moi, on a plus peur de couteau. J'ai perdu ma mère, perdu mon père. Donc ça veut dire que même s'il faut dailler, je suis prêt à dailler. Même pas. On dit que quand tu meurs, tous les problèmes de la terre, tu ne les as plus en souvenir. Donc tu pars te reposer. Imaginez-moi un peu, je vais retrouver mon père et ma mère, je ne sais pas où ils sont. On va se retrouver là-bas au pays des morts. Je vais revivre ma best life avec eux. Vous pensez que ça va me déranger un jour? Ou quand je vois les petites personnes qui disent qu'on va te faire du mal, on va... Si Dieu permet, parce que le Seigneur ne peut pas permettre, s'il permet qu'il vous donne cette force-là d'aller au bout de vos pensées, moi, je vous assure que si le pire m'arriverait, je partirais tranquillement. Parce que j'ai enterré mon père, j'ai enterré ma mère. Et qu'à 31 ans, je remercie Dieu de m'avoir maintenu en vie jusqu'à cet âge. Et qu'il y a des personnes qui sont dans les morgues, qui ont mon âge, voire même moins. Il y a d'autres qui sont au cimetière, qui ont mon âge, voire même moins. Et si je pars, est-ce que ça changerait quoi? Qui vous paye de venir souvent clasher avec moi? Eh, Kento? Qui te paye? Je suis venu, est-ce que j'ai parlé de toi mal? J'ai parlé une genèse, Kento. Quand on dit que je cherche à vous cogner les têtes, va encore réécouter mon live. J'ai dit la vérité. N'est-ce pas, ce jour-là, tu étais dans la voiture quand Ndolo m'a passé le téléphone de parler avec toi. Est-ce que c'est un mensonge? Ce que je dis, même avant qu'il y avait cette guerre entre toi et ma tante, entre Ndolo et ma tante, je l'ai toujours dit. Et c'est une vérité. C'est que moi, dans le clash, je suis quelqu'un même de vrai dans le clash. Je dis encore ce qui est vrai, que si je disais non à Ndolo Moulema, que je ne veux pas, parce que Ndolo Moulema est une personne qui m'écoute beaucoup, qui m'écoutait beaucoup. Je ne sais pas si maintenant même ça a changé, parce qu'elle et moi, on n'est plus en contact. Si je disais non en ce moment-là avec Ndolo Moulema, je t'assure, elle était avec sa mère, elle n'aurait jamais parlé avec toi. Vous ne vous êtes pas rencontrés, Nancy, que ça a été prémédité. Hein. C'est pas un hasard. Et vous avez vu que toute cette guerre que vous vous êtes fait, ça ne valait pas la peine. Elle m'a dit à la fin que qu'est-ce que tu en penses? Je vais vers elle, je rentre. Je lui ai dit, Ndolo, après tout, nous sommes Camerounais. Nancy a quand même été à la TKC. Malgré que toi, tu es en train de bouder la TKC actuellement, je ne peux pas t'empêcher d'aller vers ta sœur. Si tu veux aller vers ta sœur, va vers ta sœur. Mais moi aussi, j'aimerais parler avec elle. Parce que quand elle insulte ma tante, ça me dérange. Ce jour-là, dans ta voiture, tu dis que ta voiture enregistre, non? Nancy sort la conversation qu'il y avait ce jour dans ta voiture où toi et moi, on parlait par le téléphone de Ndolo. La mère de Ndolo est même là. Elle peut-être elle n'a pas suivi. Mais elle peut dire que oui, ce que Joseph dit là, c'est quand même vrai. Elle peut dire, moi j'ai quand même l'impression que c'est quand même une maman franche. C'est quand même une maman franche. Elle ne peut pas quand même mentir. Elle peut dire que oui, c'est vrai. Je t'ai dit, tu m'as dit que ok, mon fils. J'ai dit que ok, tata Nancy. Moi-même, je promets. Je promets là, devant ma personne de l'Omoulema, comme je l'appelais, ma partenaire de crime, que je ne vais plus faire un certain nombre de choses vis-à-vis de toi comme je le faisais. Tu as ri, j'ai rigolé. On est passé à autre chose, Nancy. Mais qui par la suite, après quelques semaines, tu as encore recommencé avec ma tante, en l'appelant de tous les noms que tu connais là. Mais j'estime quand même que j'ai laissé beaucoup de temps passer. Et que si je décide quand même dire que, bon, Nancy, viens, je ne vais plus te clasher comme je te clashais en appelant Nancy Kento, brûlé, brûlé. Est-ce que tu m'as vu t'appeler Kento, brûlé, brûlé? Est-ce que tu m'as vu faire comme je te fais là, quelqu'un t'a brûlé, je sautais un peu, je faisais un peu de genre là, comme tu connais là. Je t'ai parlé posément, il t'a dit que je peux te parler comme un petit frère parle à une grande sœur. Bref, tu n'es même pas ma grande sœur, tu as 50 ans, tu pourrais mettre un enfant de 31 ans au monde.
Donc je te parle comme un fils parle à sa mère. Pourquoi tu estimes que c'est un manque de respect? Nancy. Pourquoi tu estimes que c'est un manque de respect? Tu sais, tu as 50 ans, j'ai 31 ans. Regarde un peu les années qu'il y a devant, qui nous séparent. Tu ne trouves pas que c'est une honte de reprendre un enfant de 31 ans? Nancy. Tu ne trouves pas que les Noëls que tu as assez soufflés ne te donnent pas l'opportunité de reprendre un enfant? Tu ne vois pas que tu es en train d'entrer dans le jeu où l'enfant de 31 ans te ridiculise? Tu n'as pas honte? Tu as 50 balais, un demi-siècle, Nancy. Tu ne vois pas que je suis en train de te ridiculiser. Tu es en train d'entrer dans mon jeu. Voilà pourquoi quand je vous vois la plupart des têtes vides comme ça, là, moi je ris avec vous. Parce que je considère que vous n'avez aucune valeur ajoutée. Vous êtes à mes yeux des objets, des jouets. Je peux jouer avec certains parmi vous qui n'ont pas le port de la cervelle. Parce que moi, je ne peux pas répondre à plus petit que moi. Même si tu me payes. Voilà Yanongo, mon nid Susanna. Tu m'as déjà vu répondre à Yanongo. Yanongo va m'insulter matin, midi, soir, il n'est pas le temps. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc j'estime qu'il fallait que je fasse ce résumé. Et je te dis que n'écoute pas, parce que toi, tu es le genre que quand tu pleures, tu aimes les consolateurs. Quand tu dosais ma tante, est-ce que ma tante avait besoin des consolateurs? Elle n'a pas eu besoin. Nancy? J'ai vu que tu veux le combat avec ma tante. Mais elle te dit alors que pour avoir l'accès au pape, mais passe au moins, c'est par les vicaires. Essaye de passer par les évêques et les archevêques. Passe d'abord par moi. Maintenant, tu passes par moi en espace de 3 heures de temps et te fais pleurer. Regarde comment tu pleures. Tu penses que j'ai mal. Tu n'as pas bien pleuré. Hein. Je vais augmenter le volume demain, Nancy. Ah ben là, je trouve que le combat est long. Hein. Tu commences et maintenant, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Vous savez quoi? Mais t'es cassé. Les sympathisants, allez me couper la partie là où elle pleure. Parce que la personne qui a coupé ça, lui et moi, on n'est pas en bon terme. Je l'apprécie pas. Je l'apprécie pas parce que c'est un mauvais coupeur de life. Il m'a démontré qu'il est dans la haine, dans le parti pris. Voilà pourquoi il ne peut pas me permettre de présenter ça. Allez me couper la partie là, exactement là où elle pleure. Vous m'envoyez public. Et j'écris game over. J'écris game over parce que Nancy et moi, il y aura plus et j'ai gagné. Hein? J'ai gagné. Donc, Ngobawa, Ngobawa, qui es-tu? Oh là là. Qui es-tu, Ngobaboa? Comment tu arrives à mettre mal à l'aise Kento? Une Française en plus dessus, quoi de souche? Hein? Une Française de souche, quoi? Toi qui es encore Maroc, petit beaux ailleurs, tu cherches à prendre le vent de l'Atlantique. Mais comment tu arrives quand même à perturber les personnes qui sont en Europe avec toutes les opportunités que l'Europe les offre? Ouf. Jusqu'à tu sors, tu montres ta voiture et tout ça, j'arrive à te perturber. Ah ben là, oh là là, c'est parce que la personne qui a coupé le live là, je ne l'aime pas. Si c'était à femme à femme, par contre, je devais aller chez à femme à femme, je prends. Je regarde. Je partage, je mets même sur ma page. Mais lui là, il peut partager ça sur ma page. Pas du tout. Je vous ai dit que le jour. Oh là là, Seigneur. Laissez-moi même faire mon live, non? Ah. Non, attendez, finis le live. Attendez, hein, il est fini. Il finit le live. Attendez, il finit le live. Je veux faire un live sans interruption, s'il vous plaît. Attendez, il finit. Il finit, hein, il finit. Ah. Une Française avec un permis de conduire français. Le jour où vous allez, où je vais partir,
Si vous remarquez que toutes mes pages Facebook ont disparu, que vous tapez Facebook, vous constatez que toutes mes pages Facebook ont disparu. Sachez que l'abbé Samenet n'est plus sur les réseaux, il est parti. Oui, allô ma personne. Je suis en live, hein. Oui, c'était en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as foutu le bordel entre deux le bruit maintenant si? Est-ce que j'ai foutu le bordel? Non, je n'ai pas moi foutu le Mais bordel. c'est toi qui parlais de Ndolo Moulema, c'est quoi ces histoires-là? Non, mais Linda, d'après Nancy, je parle avec Ndolo Moulema. Il paraît que sa voiture a la caméra. Et que la caméra qui est dans sa voiture lui a dit que Ndolo Moulema, on parle ensemble. Vous expliquez ensemble. Mais tu parles avec Ndolo Moulema, des prénoms. Ouais, c'est la question que moi-même je Des te histoires de demande. mal, Non? mais ça. N'est-ce pas, même quand elle a perdu sa grand-mère ici, là, n'est-ce pas, Linda, il t'a dit que je veux l'appeler, non? Mais que j'ai peur, en fait, que j'ai même honte de l'appeler, que je ne veux pas l'appeler parce qu'il y a. Voilà, parce qu'il y a ce problème avec ma Peut-être tante. enregistre. Voilà. Ah, ok. Oh oui, je me souviens de ça. Je t'avais dit, mais appelle là, tu m'as dit, j'avais. Tu peux pas. Mais vous ne parlez pas ensemble. Ok, bon. C'est bon. Amonou. Il faut arrêter de signaler mes trucs. Arrêtez de signaler mes trucs. Parce que la prochaine fois que les gens vont vouloir une vidéo pour le criminel, ils vont me prendre chez moi. On signale trop ma page, je suis fatiguée. Tu n'as encore rien vu. Comment tu es facile? Non, je ne vais pas supporter. Moi, je... Non, non, non. Moi, je ne vais pas supporter Ndolo Moulema, le tour aussi. C'est un tour. Non, ne soutiens pas ma partenaire, mon ex-partenaire. Non, ma collègue, parce qu'elle n'est plus mon ex-partenaire, ma collègue. Je soutiens Ndolo Moulema, oh, ah. Non, 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 moi, je te soutiens pas. Moi, je te le dis. Cache-moi, je te dis en vérité devant tes clients que tu as là. Je supporte Ndolo Moulema. Eh bien, dis donc. Tu soutiens Ndolo Moulema face à quoi là? Je sais pas. Je Linda, tellement la haine t'a aveuglé, ma soeur machiavélique. La haine t'a ne suis pas aveuglé. Aidesse. Non, 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 non. Moi, Maintenant, alors, je si on suis te pose avec. la question que tu soutiens Ndolo Moulema face à quoi? Je ne sais pas, mais c'est que je soutiens. Je m'en fous de la soutien. On va soutenir Nancy Kekto, pardon. Elle pleure Non, non, trop. non, je suis pas. Je soutiens. Je soutiens Nancy. C'est Nancy que je supporte. C'est ça que vous voulez dire. Ah, d'accord. Donc, c'est Nancy que tu soutiens. Hein. Oui, Ok. je soutiens Nancy. Ouais. Non, non, non. L'autre là, celle qui a les mains bien. Non, non. Oh, je m'en fiche. Je supporte celle que je veux supporter. Ah, tu soutiens Bon. Kento, hein. Ok, ma partenaire machiavélique, il n'y a pas de problème. Il faut Non, non, soutenir non, je ma. soutiens Ndolo Moulema. Oh, Ouais, ma partenaire machiavélique, moi, je c'est soutiens entre Ndolo nous, non? Moulema. Bien, bien, non, ma partenaire, c'est Non, non, entre non, non, nous. non. C'est entre nous, ma Non, 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 je ne partenaire. supporte, je ne sais même pas. Mais je. Non, 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 je m'en fous. Je supporte Ndolo Moulema. C'est Mmh. quoi? Mais tu n'es pas au courant que Non. j'aime Nancy Kento K.O. Tu n'es pas au courant. Entre 9h et Ah, bon, 13h. Entre 9h et bon, je suis. Ah, 13h, je l'ai mise. tu as vu Nancy qui est au cas où. Je supporte alors Nancy. Toi qui Voilà, je découpes supporte tout. celle qui n'a pas de. Toi qui découpes tout. Va alors découper là où elle plaît. Ça, mais je vais t'envoyer le mango au Maroc. Il y a quelqu'un qui vient. J'ai pris les mangues là. Waouh, vraiment, merci, grand. Je t'envoie. Tu connais Diane, non? Je t'envoie le Voilà. mango au Maroc. Merci, grand. Pas vrai, hein, des vrais mangues, pas les mangues. Oh lolo. Oh, comme je vais me Les pays régaler, là. ma collègue machiavélique. Oh, ma copine machiavélique, merci. Merci de me donner la Je vais force pas. pour combattre Nancy. Merci, ma collègue. Non, 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 laisse l'antique et tout. C'est quoi, ça fait quoi? Et arrête de tirer sur ma patronne, c'est quoi? Moi, je ne tire jamais sur ta patronne. C'est pas bien ce que vous faites. Ma collègue machiavélique. Ma collègue machiavélique. Est-ce qu'on parle des patronnes, ma? Est-ce que toi et moi, on a tué le débat des patronnes? Reste soutenir Nancy, non, ma collègue. Ouais, ma collègue. Nancy, Non, ma je collègue. supporte Nancy que Nancy m'a donné quoi dans ma vie. Pardon, je Et supporte elle est Nancy. belle, Foutez-moi la elle est très belle, Linda, avec beaucoup de. paix. Pardon. Foutez-moi la paix, je ne supporte personne. Je suis sur ma faune, place ça m'en fout pas de couper moi ma vidéo, c'est pas mon souci. M'en fiche. Confiance. Merci pour t'avoir dérangé, mais je Non, supporte de le. rien. De Je suis rien, pas grande fou, je sœur. suis abeille, une place. Je ne supporte pas les bêtises. Je n'ai la vraie personne à voir les caméras dans les caméras. Dans les. Dernière voiture. Non. De rien, collègue machiavélique, de rien. Mensonge. Depuis quand tu causes avec Ndolo Moulema, moi-même je suis ici. On ne s'appelle pas. C'est Ndolo Moulema que tu as appelé. Pour causer avec elle.
Tu dois supporter. Déjà, tu peux pas supporter de le voler, ma personne, de le voler, mais t'as vu mon sang, donc tu ne l'appelles pas, ça c'est faux. De le voler, tu l'en veux pour ça, ça c'est faux. C'est vrai, non, c'est vrai. Tu as un temps pour couper le moulema, comme tu prends le sang, donc tu l'en veux. Non, les gens qui disent que tu parles avec de le moulema, ça c'est des conneries, tu ne parles pas avec elle. Non, Nancy m'a dépassé. Tu parles pas avec de le moulema. Non, non, comment tu ne parles pas avec de le moulema? Parce que si tu serais qu'elle avait mis la photo de Jean-Luc Mossang, tu as pété un boulon. Tu l'as bloqué de partout. Voilà. Non, ça, c'est faux. Et c'est moi, je te disais, non, des blogs, là, tu m'as dit, quand elle a perdu sa grammaire, tu m'as dit jamais. Tu l'as supposé. C'est faux, hein. C'est faux, ça, c'est pas vrai. En tout cas, confiance. Je vais découvrir la prochaine vidéo. Il y a quelqu'un qui vient, je te garderai des mangues. On te donnera des mangues. D'accord, quand c'est. Ouais, si moi, m'a faut une place. Merci, grand-sœur. Tu es la même en fou. Si moi, m'a faut une place. Fin de citation. À chacun, c'est pas grand. On s'en fiche. Moi, j'ai pas la caméra dans ma voiture. J'ai pas encore l'argent à ce niveau. Pour enregistrer. Ouf. Ouf. Ouais. Ouais, ma collègue machiavélique. Ouais, ma collègue machiavélique. Donc. J'étais de 10 ans, vous voyez comment abeilles et cassons peuvent se comporter, non? Donc, certaines abeilles qui sont chez Mbopi là-bas, qui étaient derrière Mbopi, arrêtez de faire que Mbopi fasse du sale. Qu'est-ce que j'ai encore entendu? Nancy a dit que ma tante et moi, que j'ai ignacé avec Maliba. Ouais. Nancy, quand tu me dominais le matin, tu as dit que ma tante et moi, que j'ai ignacé avec ma tante, non? Tu as dit ça, Nancy, n'oublie pas. Tu m'as touché, Nancy. Tu as dit que Ngo, c'est toi, mof, laisse ça, qu'elle tente. L'abbé, ça me couche. T'es cassé. Ouais, que. Donc, je fais des l'insecte, maman. T'es cassé, fais des l'insecte, maman. Le matin, quand Nancy, je dis, moi, pauvre. Bien maquillée, toute belle et tout ça. La belle, ça va bien ici. Viens ici. Tu couches avec ta tante. Tu couches. Et si moi, elle dit que c'est si elle ne connaît même pas, qu'elle va te donner une dose. Je sais ce que je dis, qu'elle va te donner une dose. Après, tu as alors fait l'erreur du siècle. Lolo voulait, mais il avait ça. Mais j'ai dit que d'accord, viens, assois-toi ici. Maintenant, il vient dire la vérité. C'est la vérité qui te fait pleurer. Tu ne vas pas doser. Tu vas doser, non? Hein? Mon pied, même, elle avait dit que la fesse avait. Elle pèse, bien sûr. Donc, vous, les TK, c'est qui me manquez le respect, là? Je suis votre père. Il faut faire attention. Ne me manquez plus le respect. Je suis votre père spirituel. Ne me manquez plus le respect. Dans les millions de oui, j'ai touché ta soeur. Tu entends, non? J'ai dit qu'elle m'off. Dans les millions de j'ai touché ta soeur. Tu entends, non? De 8 à 13 heures, elle a levé le drapeau des pleurs. C'est le, j'ai dit que, Nancy, il ne clash plus avec toi, tu n'as pas le cardio. Tu entends, non, Kento? Tu n'as pas le cardio, il ne clash plus avec toi. Même si tu me clashes encore, mieux tu gagnes. Il ne clash plus. Pourquoi je viens encore clasher avec toi? Nancy, paye-moi. Je te jure, je te mens, je t'assure. Pourquoi je clash encore avec toi? Paye-moi et te clash. Là où tu as pleuré. De 8 à 13 heures. La plupart de mes adversaires font au moins 48 heures avant de pleurer. De 13 heures, de 8 à 13 heures, tu pleures. Bon, je ne clash plus. Colo. Hé, colo. Colo, je ne clash plus, mamie, pardon. Va chercher d'autres. Tu n'as pas le charisme, tu n'as pas mon niveau. Non, si tu n'as pas le niveau des clashs, je ne clash plus avec toi. Tu pleures quoi? Mince. J'ai dit que j'ai la volonté. Maman, j'ai dit que j'ai la volonté. Jules Dubois, tu es au courant? Tu n'es pas au courant que j'ai mis KO? Jules Dubois, tu es au courant que mon babo a mis KO? Tu confirmes ou pas?
Ouais. Pourquoi tu m'as donné ce cœur là, mon Dieu? Pourquoi tu m'as donné ce cœur là? L'Afrique a fait toi. Aïe. Ouais, qu'est-ce que ça veut? Aïe, on savait Waboanjo. Ango Waboa, Waboa, Waboanjo. Tu fais pleurer une Française. Je dis, toi le Marocain, si même tu es comment? Tu fais pleurer une Française dans son pays. Mince. Mais on doit t'enfermer, hein, Abella. Emmanuel Macron doit t'enfermer. Mais Macron, il faut m'enfermer, là. Mais je fais pleurer une Française. Ah ben, eh ben, carrément. Toi, tu n'es pas au courant. Maman, ça se balade que partout. Game over. Jules Dubois. J'ai dit que game over. Elle s'est levée le matin, Jules Dubois. Elle m'a copieusement lavé. Elle a raconté comment est-ce que je niasse avec ta patronne, avec que, tu vois, non, avec ta boss, avec notre patronne, avec ta patronne, ta maman, maman pépé. Je suis resté calme. Quand j'ai fini de brosser mes dents, entre 9h et 13h, Nancy a pleuré. Tu me demandes encore que Jules Dubois il continue le clash. En tout cas, c'est vous qui décidez. Tu me demandes encore de continuer le clash. Non, qu'elle me supplie, je continue. Il ne peut plus. Qu'elle me supplie. Nancy supplie moi et continue parce que la fois. Tu es la seule blogueuse qui a choqué moi. Nancy, tu es la seule blogueuse qui a choqué avec moi, qui a pleuré en espace de 4, 3 heures de temps que tu as versé les larmes, tu as déclaré forfait. Quand tu vas maintenant me clasher, coupe seulement la partie là, je dépose. Tu comprends, non? Tu viens me clasher, coupe ces dépôts, je dis pardon, pardon, pardon. Je ne clash pas avec les fragiles, tu es fragile. Tu es très fragile. Je ne clash pas avec les fragiles, tu es très fragile. Je clash avec les gens qui. Tu es fragile. Je clash avec toi, tu vas. Au moins, c'est. Voilà, Georges Pompidou, non? Nous mignon, non? Pompidou. J'ai démarré avec toi ici, là, tu as fait comment? Tu as dit que, Natimba Nambusa. N'est-ce pas, Georges Pompidou? Pompidou? Vrai, vrai, non? Quand ils sont sortis, est-ce que j'ai cherché deux noms? Il dit que, allez m'appeler le président de la 5e République, Georges Pompidou, il y a Djawanan. Je t'ai dit que vous me démarrez, bon, Pompidou a dit que. Je suis facile. Mof. Il dit que j'ai fait voum, Pompidou. J'ai dit à Pompidou que. Il y a Djawasi. Allez, voum, Pompidou. J'ai dit que mof. Voilà Pompidou qui confirme que. Un seul tour. Mof. J'ai pris. Je dis que j'ai pris le démarrage en côte. Mais Nancy, il fallait d'abord consulter Georges Pompidou, non? Je dis que, ah, Georges Pompidou, président de la 5e République, il y a Diawa, c'est bien, amof. J'ai seulement fait, boum, Pompidou a dit que, yay. Ouais. Je suis facile. Je dis que moi-même, je sais. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Je sais, au fond de moi, non. Je sais que je ne suis pas facile. Je connais. Ouais. Quand j'étudie ma stratégie de guerre sur quelqu'un. Hey. Ah, Georges Pompidou et Mané. Ouais. Voilà. Ça me fait mal. Non, j'étais dans les mains et pieds. Ça me va sortir un faux profil dans sa main. Les danses sont même comment? Elles sont même pour te voir depuis. Elles ne savent pas comment tu fonctionnes. Nancy, chica, pour pleurer. Ah! Il fallait très bien. Elle te demandait conseil, elle n'est pas venue. Tu en es quoi? Ça m'a bombé. Voilà le président de la France. Ça me fait pleurer, Kento.
Et toi, tu vas te pleurer, ça ne va va t'atomiser. Tu ne connais pas Gomaboa. Depuis quand Gomaboa existe sur Meta, vous pensez que. On vous dit de faire les codes de Meta. Moi, Gomaboa a pris ici, là, je suis allé voir fuir, je suis allé à des dos me cacher. Je ne connais pas de connexion. Je vais aller le voir à Gomaboa pour que je devienne bête. Après Gomaboa, je vais te dire, après quand j'ouvre mon Facebook, je peux aller voir Gomaboa, m'a trouvé même un faux profil. Yes, mais ça me tient fort. Je comprends pourquoi tu traumatises les gens sur Facebook. Non! Jusqu'à sa mère, elle était sur ce profil là. Les gens, tout le monde était sur ça. J'ai dit, ouais, mais je comprends pourquoi ça me traumatise les gens sur Facebook. Nancy, tu vois que c'est vrai, ça me parle avec Dolom Lema. Il te manque. C'est son ami, c'est son partenaire de crime. Ils font les Jusqu'à plans pour que tes doigts ne l'équipe guérissent pas. Ça, mais c'est à cause de jusqu'à ça, mais que tes doigts ne guérissent pas. Il doit les remettre à Dolom Lema. Elle vient parler avec toi. Tes doigts ne guérissent plus. Nancy, n'écoute pas ce qu'il dit. C'est ton ami. C'est l'ami de Dolom Lema. Dolom Lema, tu vas que dire la vérité à ta soeur. Tu ne peux pas parler avant Gomaboa et tu as la soeur de Kento. Kento, tu n'as qu'à te suicider, ma chérie. Votre aide-moi à détester là, tu n'as qu'à pleurer jusqu'à demain matin. Ça, mais Ndolo Mlema, c'est une place. Ça ne sauve pas. C'est clair, ma partenaire de crime. Voilà. Hey, Donc tu quoi? vas encore pleurer, lancer les directs, pleurer encore demain jusqu'à. On Ndolo, va bien je venir vivre t'assume jusqu'à demain. Je t'assume jusqu'à demain, ça. maman, tu m'as partenaire. Non, ça me tient fort. J'étais respecté encore aujourd'hui. Tu sais ce qui s'est passé? Non. J'ai pas vu le direct de Kento là. Mais quand j'ai vu ce que tu as fait en bon Romandongo aujourd'hui pour son direct, je te respecte. Obi direct à Noumouna. Obi clash à sa main. Tu as fait la fille là. Tu as détourné son live. Tu as fait quoi? Je fais que la publicité. Non, ça m'est obéi. Non. Mais là, je pense que le jour que tu vas encore faire les directs sur moi, je vais tricher la partie là, je vais tricher ça sur toi. Le moment qu'elle a lancé un direct sur moi, hein, je lance aussi un direct, j'atomise sa matière correcte. En mettant son direct, je C'est fais tout, non? exactement ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais, Brésil. C'est comme ça qu'on traite les gays. La guerre, c'est la stratégie. Non, tu connais. Mais... Tu as fait la fille, elle ne savait même plus quoi dire. Elle ne savait plus quoi dire. Tu as déstabilisé tout son direct. Non. Je dis que j'ai respecté. Je t'ai encore respecté aujourd'hui. Je dis que ça m'est obi clash. Amouf. Quand les gens qui étaient à l'école de Facebook, les STV Joseph, jusqu'à quelqu'un vient pleurer ce matin. Oh Dieu! Dieu! Tu sais pas que ça, mais c'est un ancien prêtre, il a fui. L'excès de voir les gens venir et donner les quêtes à l'église, il a fui, dit qu'il préfère lui être lui mendiant. Mendiant? Jusqu'à ça me voulait que ma yam soeur prenne l'assiette de salam partir et tout dit ça, mais tu n'es pas bon. Hein. Donc tu voulais taper la honte à ma yam soeur. Ta Lolo, ma quand tu me rappelles, cité là ne se fait non comment. Prési, quand tu me rappelles ça, mon cœur saigne. Prési, Non, pardon. pardon, mais ta ma cité n'a pas de limite, ça mais. C'est même donc ma la yam patte soeur de devait bon parler Dieu. l'assiette de salam, allait commencer à dire que il y a l'autre au Maroc. Hein. Lui aussi, il veut donner, mais mettez même si c'est le reste de champagne, mettez sur ça. Non, ça me... Non, en tout cas, tomise-moi, Kento, tomise-la propre, ça me... Tomise-la bien.
Confiance. Elle est en train de Confiance. Et pleurer. quand Georges Pompidou me donne l'opportunité, Georges, je te fais fais-moi confiance, Georges. Bien reçu, c'est Mais toi, succès. tu vas pleurer ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-mère. Tu vas appeler ton mari qui est le 15 de Facebook, va venir t'aider. Tu veux les classes, non? Vous allez venir clasher. Ça m'est. Et Ndolo, ce sont les amis intimes. Moi-même, j'ai déjà dit ça dans mes directs et Kento. C'est les amis intimes. Ils parlent. Ils parlent. Tous les plans de guerre, là, ils font ça ensemble. C'est son partenaire de guerre. Donc, n'écoute même pas ce qu'on va venir te dire là. Ce sont les amis, Tento. Samendolo, on ne touche pas. Donc, si tu veux commencer les pleurs là, commence que cette nuit. Pourquoi demain, tu as déjà bien pleuré. Tout comme Ewa. Merci Ndolo. Ndolo Mnyondo. Voilà. Bon. Céleste, bonsoir. Bonsoir. Pardon ça, mais il faut la laisser. Non, je clash plus, je la clash plus, c'est bon. C'est bon, je la clash plus. En fait, je suis même dégoûté, en fait. Je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber parce que, vous savez, malgré tout ce que je fais sur la toile, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'ai un cœur. Et quand j'ai en face de moi quand même un aîné, moi je sais respecter les aînés. Nancy pourrait me mettre au monde, vous comprenez un peu. Parfois j'aime jouer avec mes aînés. Et quand mon aîné ne comprend pas, regardez Ndoulé Mignon a vite compris. Elle a compris que je vais aller me salir avec un enfant de 30 ans. Je suis en France, il est au Maroc. J'ai l'euro, il a le franc CFA. Je vais au Cameroun, je bois les billets. Il peut aller au Cameroun, il boit les billets comme moi. Pardon, c'est quelle perte de temps ça en fait. Mais comme il y a des personnes bêtes qui tombent toujours dans mon jeu, c'est que la plupart, ils sont bêtes, ils tombent toujours dans mon jeu. Arrêtez de tomber dans mon jeu. Moi, j'aime jouer. J'aime jouer. Nancy, si tu étais intelligent, tu allais dire caca, ça, mais c'est une distraction. Puis ignorer, c'est Ngoza qui est ma cible. Tu vois un peu? Tu allais te concentrer sur ta cible. Tu as dit que non, comme c'est le sujet qui va te donner la visibilité. Allez, King Kong, vous, tu as vu. Fallait demander à Georges Pompidou. Donc, sur ce, c'était l'actualité de la toile. Il faut que je me repose et que je travaille. Donc, Nancy, pourquoi je te clash encore? Parce que c'est que demain, tu vas sortir, tu aimes bien ça. Pour te reclasher encore actuellement, ça, c'est faux profil, ici. Toi, ce faux profil, si tu as le nom de quelqu'un que je n'aime pas trop, hein, il faut que j'enquête bien sur qui est ce faux profil. Hein. Tu comprends un peu, non? Il faut que j'enquête un peu très bien sur qui es-tu. Toi, ce faux profil, je dois un peu enquêter sur qui es-tu. Parce que tu as le nom d'une personne là que je n'aime pas trop. Donc, je vais essayer d'enquêter là. Non, elle n'a pas le cœur, elle n'a pas le cœur. Elle n'a pas le cœur. En plus, arrêtez. Franchement, écoutez-moi sérieusement ce soir. Arrêtez de me mettre en colère. Vous, les gens qui voulez le clash avec moi, arrêtez. Vous ne connaissez pas le clash. Voilà, et sous la que j'ai fait se perdre dans son propre décryptage aujourd'hui. Jusqu'à venir dénoncer que, effectivement, ce que je criais depuis 2 jours, c'est exact. Allez écouter son dernier live, son avant-dernier live. Vous écoutez à partir de 1 h 7 minutes. À partir des. Vous prenez les 7 dernières minutes de son live, où vous voyez même pendant son live comment est-ce qu'elle reçoit le mot d'ordre de la team, de certaines personnes de la team. Écoutez très bien le live. Et c'était ça mon objectif. Je vous ai dit que quand vous avez affaire à moi, soyez très rusé et malin. Soyez très rusé et malin. Je représente toute la TKC. Je suis le porte-parole de toute la TKC. Et je ne sors qu'en cas de besoin. Je ne sors pas pour rien. Je ne sors qu'en cas de besoin. Donc, vous avez donc vu comment elle-même dans son propre live, elle était perdue au point où elle me bloque. Et j'ai dit que si vous voulez le sale, continuons dans la lancée. Le jour où je vois dans le groupe des TKC qu'on a pris
une conversation. Comme tu as dit qu'il y a une infiltrée dans ce groupe, les TKC n'ont pas peur. Nous allons continuer à converser dans le groupe des TKC où nous sommes. Le jour où je vois une conversation de notre groupe dehors, je ne vais pas chercher à savoir qui a mis. Je prends pour les abeilles aussi. Je mets. Je vous ai dit que j'ai 15 faux profils qui sont infiltrés, qui sont abeilles. Moi ça met. J'ai 15 faux profils abeilles infiltrés. J'ai les Lolomania. Lolo a au moins se bloqué 3 de mes faux profils qui étaient infiltrés chez elle. Chez les Lolomanioc, actuellement, j'ai 2 faux profils infiltrés là-bas. Ce sont mes faux profils, c'est moi-même qui est là-bas. Vous tous qui avez les groupes là et les teams là, je suis infiltré partout. Le jour où je vois une conversation, parce que ce qui est sûr, c'est que nous, dans la TKC, nous ne parlons pas des mauvaises choses, on ne parle de rien. On réfléchit comment propulser notre leader. Mais le jour où je vois une conversation, comme vous avez dit que vous êtes infiltré là-bas, c'est de la même manière que je suis infiltré chez les abeilles. Une conversation de nous, TKC, dans le groupe, je vois ça dehors, je prends une conversation du groupe abeilles, je dépose. Mon objectif avec Mbopi, c'est pour clôturer mon live. C'était pour démontrer que c'est vous qui l'envoyez. Et à la fin de son live, les 7 dernières minutes, elle a certifié que c'est vous. Et que n'ayez pas peur. Si jamais vous avez dit les choses à sa main, n'ayez pas peur. Il n'y a rien. Sachez alors que moi, il ne trahit pas la mafia. Je vous ai fait ce qu'on appelle que l'intimidation. Et vous êtes sortis vous dénoncer. Que ce soit Flore Choupinette, je connais qui est Flore Choupinette. J'ai les photos de Flore Choupinette. J'ai ses photos. Je connais qui elle est. Je connais la plupart des abeilles. Je connais qui ils sont. Mais n'ayez pas peur. Je ne procède pas comme ça. Je ne trahis pas la mafia. C'est vous-même qui allez vous trahir là-bas. Mais moi, prenez ma bouche. Sorti que toi, tel faux profil, tu m'avais envoyé tel truc. Vous avez menti, vous avez tapé poteau. Sur tout ce que je cherche, je mets le Saint-Esprit à témoin, vous avez tapé poteau. Si vous pensez qu'un jour, je vais venir vous insulter, je vais venir vous dénoncer sur Facebook, vous avez tapé poteau. Je ne vais jamais le faire. Je dis bien jamais. Vous les abeilles là, si vous attendez que moi, Ngomaboa, je prenne encore ma caméra, je viens clasher avec votre reine, mais vous avez menti. Vous n'allez jamais voir ça jusqu'à la terre fine. Parce que je ne suis pas comme vous. Je n'ai qu'une seule parole. Je ne délègue pas, je fais. Est-ce que vous comprenez bien? Je clôture avec vous pour vous dire que je ne délègue pas. La TKC ne délègue pas Ngobabo à de faire, je fais. Je constate, je laisse, j'accumule. Quand je décide de faire, ça veut dire que j'ai bien réfléchi à ma stratégie avant de la mettre sur pied. Je ne délègue pas. Les TKC ne délèguent pas. Je me lève, je fais. Et c'était mon objectif, démontrer que vous êtes derrière Mbopi, vous l'encouragez. J'ai terminé avec ce débat. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai terminé avec ce débat. Donc, n'attendez plus que je vienne faire ça. Que Flore, elle s'est montée, elle s'est descendue. Je vais aller au sens de Mbopi. C'est assez son sens que je vais aller. Et je vous garantis de nous deux qui va se fatiguer, c'est elle. C'est elle qui va se fatiguer. Et la preuve, regardez comment elle vous utilise. Regardez comment elle se sert de vous. Elle se sert de votre patron parce que c'est la place de votre patron qu'elle veut. Elle s'en fiche si on fait la guerre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sortira de la gagnante. Et c'est le nom de Flore qui est sali parce que c'est ce qu'elle veut. C'est ce que la plupart d'entre vous, vous voulez en allant lui soutenir. Est-ce que vous voyez elle était quand c'est venu me soutenir dans tout ce que je fais. Non. Ils sont là, ils voient, ils observent. Et je dis encore qu'en face, il n'y a pas un cimetière. Il y a du répondant, même seul, face à un conteneur, je réponds. Sur ce, c'était un privilège d'être avec vous. C'est vrai, j'ai beaucoup mis long. Je serai en train de vous parler de ce qui a eu lieu. Mais je pense que c'est pas moi. Maliba viendra vous parler de ça elle-même. Je dis encore que en essayant de faire du mal aux gens, ça ne sert à rien.
quelqu'un te dépasse, bois l'eau glacée, un grand verre d'eau glacée. Tu dors. Donc, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Nous, notre objectif, ce n'est pas de narguer les gens. Notre objectif, c'est de travailler. De la même manière que vous, là-bas, qui nous détestez ou qui nous en voulez, travailler. Notre objectif, c'est de travailler. Montrer aux gens que la mendiante, ma tante, est capable de faire quelque chose. Et les gens voient qu'elle est en train de faire. C'est ça notre projet. Vous avez dit qu'elle demande. Voilà sa part de vie. C'est une moins que rien. C'est une comme ceci. C'est une comme cela. N'est-ce pas? Quand une personne n'a pas de valeur, tu ne prononces pas. Tu t'en fous. C'est parce que vous estimez que ma tante a une valeur. Voilà pourquoi vous la combattez. Plus vous allez la combattre, vous allez la mettre au sommet là où elle doit arriver. D'accord? Et nous allons vous enseigner. Nous allons vous enseigner. Ça ne sert à rien. Calmez-vous, buvez un grand verre d'eau et reposez-vous. Bon, sur ce, rendez-vous demain. Bisous et bonne nuit à tout le monde.